Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 18e, 19e, je sais plus, épisode sur mon Let's Play sur le jeu Age of Mythology Extended Edition, acte 1. Donc on va continuer les histoires de Nordique, c'est un bordel mythologique quand même. On est des Grecs et des Égyptiens en Scandinavie. Voilà, donc on est parti, on va continuer ces missions. Allez go. Union. Bon. Allez. Skirt. Trahison. Vous brandissez la bannière de Volstagg, un géant qui pille les habitants ici. C'est pour ça qu'ils vous ont attaqué. Une vieille ruse. Utilisé par Loki pour monter les Scandinaves les uns contre les autres. Qui êtes-vous? Reginleth, une servante d'Odin. Elle tente d'empêcher Ragnarok. C'est elle qui nous a envoyé chercher Gargaren 6. C'est exact. Et il n'est pas loin. La vallée suivante abrite d'autres clans. S'ils sont toujours en vie, on pourra peut-être les convaincre de nous rejoindre. Le temps presse. Alors il faut y aller. Vous pouvez laisser la bannière ici. C'était tellement cramé que c'était un méchant, l'autre type qui rigole, il avait une voix de méchant. C'était tellement sûr. Alors, suivez la piste menant au premier camp scandinave. Alors, faut vite qu'on s'arrange pour en garder un maximum des... Ah, c'est les lanceurs de hache? Ouais, si, on... Peut-être en avoir besoin. Les trolls ont pris la caverne d'où nous puisons notre or. Pitié, aidez-nous. Merci. D'accord. Suivez-nous. Notre chef au marteau noir voudra vous rencontrer. D'accord. Merci d'avoir défendu mes hommes. Yes. Utilisez ces bâtiments pour préparer l'attaque. Alors, vous allez venir là. Toi, t'es un nain, tu vas récolter de l'or parce que hop, vous avez qu'à rendre ça. On fait un peu d'or en plus. Ah, s'il te plaît. Alors, vous récoltez. Là, j'ai des nains, je vais les envoyer ici. Faut que je fasse quoi? Alors, attendez. Là. Toc, toc. Toi, tu sers à rien pour l'instant. Un Draus. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est quoi les objectifs? Éliminer les trolls des mines du Nord. D'accord. Ouais, mais pour l'instant, je pense que... D'accord, on a une Scars. Où ça? Je pense que déjà, je vais... charger de faire des unités. Hein, je pense qu'on va continuer comme d'hab à faire une première préparation. On va ensuite s'occuper du reste. Je vais faire un 10-10-10 et je vous reprends. Parce qu'en fait j'ai pas remarqué un truc. C'est un peu con, je suis parti pour faire mon 10-10-10. Voilà, j'ai bientôt fini, je suis en train de faire l'or. Gentiment. Sauf que je me suis aussi rendu compte d'un truc, c'est que je n'ai pas le droit de construire de maison. Ce qui est un peu emmerdant. Du coup, on va essayer d'attaquer juste avec ça, mais je suis pas sûr que ça va passer. Voilà, j'ai plus assez de place pour de la production d'unités, mais j'ai pas le droit de construire de maison. Du coup, je l'ai clairement dans l'os. Détruisez l'accès aux enfers. Les trolls s'en servent pour recevoir des renforts. Alors. Merde, j'aurais peut-être dû sauvegarder. Je pense que j'aurais carrément dû sauvegarder. Parce que là, c'est un peu sale, ils sont en train de me tuer, mais... Il faut détruire ça. Vite. Oh là 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 là. J'aurais peut-être pas dû en faire autant. Bon, on se casse.
On se casse, on reviendra avec plus d'unités. Ah merde. Notre planète de cette histoire. Ah shit. Ah non mais pourquoi vous partez vous? Limite, je vais vous tuer. Ouais, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Je vais pas en faire autant, je pense que je vais faire surtout des unités. C'est des unités mythiques. Contrer avec héros. Ouais, c'est ça. Donc les lanceurs de hache, c'est pas le bon kiff. Ok. Ok, ok, bon. Bah, je vous reprends une fois que j'ai refait une petite armée et qu'on peut essayer d'y retourner. Bon, finalement, de fil en aiguille, j'ai l'impression qu'on peut y aller directement. Du coup, bah, on y va. J'ai pas beaucoup d'unités. Si ça se trouve, ça va ripop au passage. Mais au moins, j'aurais pu attaquer un petit peu. Peut-être que même ça va passer. Oula, peut-être pas en fait. On va voir. On va bourrer là-dessus. Oula! Vite qu'on finisse. On se casse. Dès qu'on a fini ça, on se casse. On se casse. On va avoir besoin de plus de... Plus de héros. Ça prend très très cher. Éliminer les trolls. Du coup, il va falloir que je finisse. Ouais, bon, on va pouvoir y retourner en fait. Hein. Surtout qu'on a récup de la vie. Oui, on a récup de la vie. Bon, allez, ils sont pas beaucoup. Et j'ai des unités qui sont fortes contre elles. Ça se trouve, ça va passer sur un malentendu. Voilà. Ça passe même carrément. Nickel! Sortez de la mine et cherchez le deuxième clan scandinave. Et nous? Ah non. Non, ça c'est la suite de la phrase. Ok, d'accord. Bon bah voilà. J'ai envie de dire, là on a tout. Du coup, c'était peut-être pas autant nécessaire de faire tout ce bousin. Tant pis. Je vais construire 2-3 trucs quand même avant. Je peux toujours pas construire de maison. Bon, on va faire une armurerie et un temple. Comme ça, je vais pouvoir passer à un âge suivant. Il y a beaucoup de trolls peut-être. Je vais augmenter un petit peu le nombre d'unités qu'on peut récupérer. Enfin, je vais augmenter leur capacité. Ouais. Et on va essayer de traverser un petit peu tout ça. J'ai énormément de ressources, mais c'est peut-être pas aussi utile. Allez, on va voir. On va essayer d'avancer avec ça. Ça récupère de l'or. Il y en a là, ici. Donc, c'est bien. On va essayer d'avancer avec ça. Mais masse d'or. Même que ça d'ailleurs. J'ai regroupé les moutons. Ça sert à rien, mais je vais les regrouper. D'ailleurs, j'en fais un groupe. Allez, deuxième partie de la carte. On va bien voir ce que il nous réserve. Je suppose encore des méchants. Étranger, aidez-nous à construire des tours sur les sites marqués par un drapeau et nous vous rejoindrons. D'accord. Sur les sites marqués par un drapeau. Genre là. D'accord, les mecs qui sont arrivés, ils ont fait... On en a rien à foutre. C'est unité mythique. Bon bah voilà, encore des trucs où il faut des héros, donc on est bien. Yao.
On est plutôt bien. Pour... Hop, je vais ramener ces unités là. On va carrément les améliorer à coup d'armurerie. Lanceur de hachia va revenir ici. Ah, c'était peut-être pas au bon endroit en fait, c'est... D'accord, c'est peut-être là en fait. Il y en a d'autres ? Ouais, l'année dernière. Ok, pour le reste, on va attaquer avec ça. J'aime bien. Il y a des types qui sont ultra vénères sur les côtés, sont en train de construire. Bon. Ça passe bien. On va finir de construire les tours. Oh la vache! Ce heal. Putain, elle déconne pas quand elle heal. Attendez, je me replace un petit peu sur ma chaise. D'accord, c'est cool. Bah, je vais encore en profiter du coup. Alors, pourquoi j'ai... Ah, attendez, je suis un peu perdu. Je vais essayer de regrouper tout ça. La question c'est qu'est-ce qu'ils foutent ici, ces géants ? Il va falloir qu'on aille par ici. Qu'est-ce qu'ils foutent par ici? Bon, on va aller voir sur la suite. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Qu'est-ce qu'ils vont nous demander surtout? Hop, vous allez ici. Libérez ma fille des géants et mes hommes vous suivront. D'accord, détruisez la tour de guet pour libérer la fille du chef du troisième clan. Bon bah allons-y hein. Bon, y a des géants qui essaient de passer mais c'est pas très grave. Encore des unités mythiques mais j'ai tellement de héros là, c'est bon. On va leur rouler dessus. C'est trop facile cette histoire, c'est beaucoup trop facile. Tiens, je vais monter de level aussi. On va ouvrir la porte. Encore des géants ici. On va rusher directement, je pense, jusque là-bas. Je sais pas trop. Parce qu'on perd quand même quelques unités. On pourrait essayer de rush. On finit. On va essayer de rush gentiment. En passant sur le côté. En fait, je pensais que sur le côté ça allait aller. Ça me paraît un poil tendu. On va vite éliminer cette bestiole. Qu'elle nous laisse la place. Voilà, et on a hors de portée de leurs attaques. Ouvrir ça, défoncer le portail et on est bon. On va en faire quelques-unes. Là, je dois avoir quelques unités qui traînent, ouais. Et là aussi. D'accord, eux, ils ont passé de level, donc ils peuvent me taper dessus. C'est pas foufou. Allez, on s'attaque à la tour de guet, rapidement. On la détruit.
avez sauvé ma fille. Voilà. Tuez les géants. Mes hommes et moi vous sommes reconnaissants. Ah bah voilà, c'est fini. D'accord. Pas plus. Bon bah scénario suivant, j'ai envie de dire. Le puits d'Urde. Cela fait combien de temps que l'armée de Gargaren 6 est passée ici? Quelques jours peut-être. Ils ont rejoint les montagnes vers le nord et construit des fortifications et des forteresses. Alors c'est l'entrée des enfers. Il a déjà atteint la porte. S'il ouvre la porte, ce sera Ragnarok. Nous devons l'arrêter. Construisez une armée et détruisez la porte menant au puits d'Urde. Voilà Gargaren 6. Peut-être que nous nous rapprochons véritablement de la fin. Une nouvelle fois. J'ai l'impression que c'est la fin toutes les deux minutes sur ce jeu. Ils sont combien? Ils sont 5. 3. Je suis à 4. Ah merde, j'ai décalé. Bon, tant pis. 5. Vous. Vous êtes 6 amasseurs. Je pense que vous allez directement aller au bois. Alors là, j'ai masse unité dans tous les sens, je vais tous les regrouper. D'accord. Merde, j'avais des putains de... J'aurais dû les mettre là. J'aurais dû les mettre là, bon. Je suis un abruti, hein, mais ça vous le savez déjà. Ça fait un bout de temps, je pense. Eh ben, je suis parti pour un petit 10-10. Allez, c'est parti. Bon, alors, eh ben, j'ai fait pas mal de choses. Je suis monté jusqu'à l'âge mythique. J'ai fait une petite armée, comme vous voyez, avec quelques unités de siège, tout ça. Mais surtout, j'ai eu un truc, un sort qui s'appelle Ragnarok. Donc oui, évidemment, on parle de Ragnarok, il fallait que j'ai le sort. Visez un endroit de la carte pour transformer définitivement tous vos amasseurs et vos nains en puissants héros. J'ai envie de dire, vu qu'on va attaquer, autant le faire. J'ai sauvegardé, doit pas y avoir de problème. Je regroupe tout le monde, je vais chercher mes nains. On les regroupe tous au même endroit. Et là, mais alors là, les gars, ça va être trop drôle. Donc, on a la première armée ici. En plus, normalement, Ouais, voilà, il manquait une modif en plus. Un petit boost. J'ai oublié de ramener cette vierge protectrice. Et ben voilà. Maintenant qu'on a tous nos nains, toutes nos unités. Donc, je vais virer ça, parce que ça prend de la place. Poussez-vous! Ragnarok. Poum! Deux puissants héros. Nous sommes les héros de Ragnarok. Ils font du 18. Ils font du 6. Ah ouais, d'accord. Bon bah allons-y hein. J'ai envie de dire, l'objectif c'est d'aller jusque là-bas. Donc je vais passer directement sur le Teco. Je vais pas me faire chier. Du tout. Allez, on va faire ça. Ouais. Hop, one shot. Ok, premier mur, c'est bon. Et il va y avoir un petit peu de monde. Faut que je contourne le truc, j'aurai pas le choix, je pense qu'il faut que je pète le forum le plus vite possible. Le mieux, c'est que je lance le premier groupe là-dessus et le deuxième groupe s'occupe du reste. Ok, donc ça va. Commence à prendre le coup. C'est juste certains porteurs de bélier, ils servent un peu à rien. Ah merde, ils viennent d'améliorer les bâtiments, les murs. Ouais, on va détruire ça. Oula. J'ai tellement envie de dire, on va geler tout et on va s'occuper des bâtiments. Ou alors je peux directement m'occuper de ça.
Si je m'occupe de la porte, normalement c'est bon. Ça fait ramer. Ça fait un petit peu ramer mon PC. Il me reste 25 secondes, ouais, c'est large. Alors, en espérant que ça me lance pas dans un truc de merde, éliminer toutes les unités défendant le pilier là. Ah merde, je pense que c'était ça le truc de merde qu'il fallait que j'évite. Oui, on a l'air de con. Qu'est-ce qui se passe? Bon bah je vais laisser tourner un petit peu, j'ai l'impression que ça passe à peu près. Oh bah voilà, c'était bon. Ne vous fiez pas aux apparences, le puits mène à la demeure du brouillard. Passez le premier, Chiron. Si nous vous entendons hurler à mort, nous resterons ici. Ah ! Lorsque vous aurez décidé qui parle premier, je vous atteindrai en bas. Ok, d'accord. Bon, bah, je pense que ça sera tout pour cet épisode. On va voir. Je pense qu'on arrive vraiment à la fin. Enfin, j'espère, parce que ça fait un peu long. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires de la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et puis, quant à moi, on se retrouve dans 4 jours pour la suite de ce Let's Play. Allez, salut à tous. Portez-vous bien.